sommes basés à Nairobi en Afrique. Cette organisation s'occupe plus particulièrement de l'éducation des filles en matière de santé de la reproduction. Elle s'occupe également de tout ce qui est planning familial, de la gestion des violences faites aux femmes, de la gestion des mutilations génitales féminines, et essaie d'engager les jeunes filles dans des activités qui peuvent leur permettre de sortir de toutes ces difficultés. Je dois dire que je ne m'attendais pas à un tel accueil, vraiment un accueil très très chaleureux, très très agréable. Je ne m'attendais pas non plus à autant de travail fait par l'association du Niger. Je suis vraiment impressionnée. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts depuis qu'ils ont été créés. Ils ont leur propre siège, ils produisent des services de santé de la reproduction dans tout le pays. Ils ont un centre de formation pour les jeunes filles. Je crois qu'ils ne sont pas assez connus pour ce qu'ils font et qu'il serait très important que vous, journalistes, vous veniez ici de temps en temps pour faire des reportages sur les activités de cette association ici, à Zender, à Tillaberi, là où ils se trouvent, pour mieux comprendre le travail d'aide, le travail de soutien qu'ils apportent aux jeunes filles, aux femmes et aux jeunes, et pour les aider à le développer davantage.